Hola les ensablés, et bienvenue dans cet épisode 10 de Waiting for the MDS, un numéro qui s'est fait attendre, mais je vous l'assure, il vaut vraiment le coup. Au menu, vos témoignages sur le 35e Marathon des Sables, une édition qui a donné du fil à retordre à tout le monde, néophytes comme les expérimentés. Vous avez souffert de la chaleur, de l'épidémie de gastro et du drame survenu lors de la seconde étape. Alors une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Patrick Bauer, le boss, qui va ouvrir le bal de ce rendez-vous, mais Christian Ginter, la légende du Marathon des Sables. Christian vient en effet de finir son 33e MDS, c'est évidemment le record, et même pour lui, cette médaille a été vraiment très compliquée à aller chercher. Bonjour à tous, j'ai repris l'entraînement, donc c'est que ça va un petit peu mieux, la récupération de mon 33e marathon des Sables, dont je vais vous parler un petit peu. C'est sûr, ça a été sans doute le plus dur que j'ai jamais passé. J'ai un peu tiré peut-être sur la corde, en allant la cueillette des pommes un mois avant, 9 heures par jour, même 6 jours par semaine. Donc c'est sûr, je n'ai pas pu faire autrement. Je suis arrivé, et j'arrive jamais à la gérer, la première étape. Marathon des Sables, c'était mon 33e. J'y arrive pas à gérer, en vieillissant, c'est de plus en plus dur. Le stress, j'ai la trouille. Puis est-ce que c'est peut-être parce que je suis le seul à l'avoir fini 32 fois, donc je me mets cette pression. Je veux le passer coûte que coûte, même en s'en foutant du classement, mais le passer. Donc voilà, je suis arrivé à la première étape, vraiment stressé, fatigué. Pourtant, j'avais vraiment envie de le faire, mais en plus avec un mal de dents. Donc je suis parti avec les anti-inflammatoires. Ça m'a gêné toute la première étape. Tous les jours, j'avais quelque chose qui n'allait pas. La deuxième étape, c'est sûr, dans les dunes. J'ai commencé, et ça c'est pas bon, je me suis arrêté peut-être 15-20 fois tellement il faisait chaud, sous les arbres, je me mets 5 minutes et je repars, il faut déjà la volonté de repartir, et c'est sur 58 degrés. Il y en a qui me disent au marathon il fait toujours chaud, mais 58 degrés, toute la semaine, j'ai déjà eu des 52 degrés il y a 20 ans, mais un jour ou deux jours après ça se calmait, 58 tous les jours, même la nuit, on s'endormait avec 23 degrés en dehors du duvet, et on se réveillait en dehors du duvet. Et en plus, c'est sûr, d'avoir eu Pierre, je suis passé à côté, nous quitter, c'est sûr que le lendemain, pour repartir, c'était compliqué. Il y en a plein qui sont pas repartis. La troisième étape, alors là, ça a été la galère. Je suis arrivé avec des diarrhées persistantes. J'ai posé culotte toutes les 5 minutes, m'arrêter. J'ai joué avec les horaires, les barrières, moi qui étais toujours avant dans les premiers, disons, il y a 20 ans, parce que maintenant j'ai 67 ans, donc là, donc j'ai fini encore à 10 minutes, juste avant les horaires pour me faire éliminer. Donc là encore, c'est compliqué, je n'avais jamais vécu ça. La quatrième étape, la plus longue, 82 km, donc j'ai fait le tour du cadran, je suis arrivé au réveil, le lever du soleil le lendemain, mais 24 heures, et j'ai fini avec une blessure. Je vais avoir un problème de chaussure, une blessure comme un œuf de poule, même à la clinique, il s'inquiétait qu'il est devenu dur comme du caillou. Et j'ai pu faire le marathon le lendemain, mais j'avais jamais vécu ça avec des béquilles. J'ai fini le marathon. Et le soir du marathon, il a fallu ouvrir la plaie qui s'infectait, antibiotiques. J'avais vraiment le moral dans les chaussettes. Mais il restait plus que 8 km. Et ces 8 km, obligé de les faire. En autant compliqué, parce que les faire à deux à l'heure, pas l'habitude. Voilà, donc la fierté, c'est cette médaille, parce que j'ai été la chercher à la volonté, là je peux le dire, dans la souffrance. J'ai pas pris de plaisir, de passer cette 33e ligne avec les larmes aux yeux. Et j'espère, donc je me pose plein de questions, est-ce que c'est celui de trop, est-ce qu'il faut que j'en refasse un, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est la fatigue, est-ce que c'est la chaleur, est-ce que c'est tous les problèmes cumulés qu'on fait, mais en tout cas j'ai été chercher cette médaille à la volonté. J'espère, en 6 mois d'avoir la chance, j'aimerais bien quand même revoir qu'il fasse un peu moins chaud. Donc j'espère en faire un autre dans 6 mois. Alors à bientôt. Et merci.
Rendez-vous fixé désormais l'année prochaine pour notre j'international. D'autres n'ont pas connu le même dénouement heureux. Presque la moitié des participants n'a pu aller au bout de cette édition. Et si écouter les finishers parler de leur expérience est intéressant, ça l'est tout autant de comprendre pourquoi on sort le drapeau rouge sur une telle épreuve. Adeline, 21 ans, la plus jeune française sur cette 35e édition, revient sur sa première participation. Je m'appelle Adeline Gourdon-Porcher. Et à 21 ans, j'ai abandonné sur la 35e édition du Marathon des Sables. Je me suis effondrée en haut d'une dune et je pense que mon corps et mon mental auraient pu continuer. Sauf qu'autour de moi, je voyais les dégâts qu'avait cette édition en conditions très particulières. Donc j'ai préféré dire stop et j'ai vu aussi dans quelle mesure la force mentale pouvait être très dangereuse lorsque l'obstination prend le pas sur l'abnégation. Donc j'ai préféré dire stop, parce que après tout, j'ai toute la vie devant moi pour essayer dans des conditions peut-être plus supportables pour l'être humain. Ce que je retiens, c'est qu'il n'y a rien dans le désert. C'est-à-dire que vous arrivez et vous habitez le désert, c'est vous qui lui donnez vie durant ce fragment de temps où vous allez le traverser. Et c'est ça qui est beau, parce que on ne laisse rien dans le désert, on passe juste, c'est vraiment quelque chose d'éphémère, moi j'ai trouvé ça très émouvant. Ce qui m'a le plus marqué, je pense, ce sont les émotions, parce que dans le désert, il n'y a aucune barrière, aucun écho, donc tout ce que vous voulez exprimer va prendre la place dont il a réellement besoin. J'ai énormément appris sur moi, et pas seulement sur la course, mais surtout durant les 8 mois de préparation que j'ai eu, puisque pendant ces 8 mois, il a fallu engager énormément d'énergie, de volonté, de discipline. Je me suis finalement découvert une force, une sorte de presque de maturité, d'assurance en moi. J'ai découvert que ouais, je pouvais déplacer des montagnes, je pouvais franchir des océans pour atteindre mes objectifs. Je pense vraiment que le Marathon des Sables m'a fait grandir, ça c'est certain. Non, le vrai conseil que je pourrais donner, c'est d'y croire, c'est vraiment de le vouloir. Moi, je me suis lancée avec des baskets et du cœur dans cette aventure, finalement un petit peu candide. Alors certes, je n'ai pas eu l'aventure sportive que j'espérais, mais le Marathon des Sables, c'est plus que ça, c'est une aventure humaine avant tout. Une sacrée maturité. De son côté, Fred était expérimenté sur le MDS avec déjà 3 participations. Il a dû pourtant se résoudre à jeter l'éponge cette année. Alors, qu'est-ce qui m'a conduit à cet arrêt prématuré du Marathon des Sables qui a eu lieu en octobre 2021? Malheureusement, comme beaucoup de participants, 680 au départ, 321 abandons, pratiquement la moitié. J'ai été contraint à l'abandon, malheureusement, au départ de l'étape longue du mercredi matin. J'ai été, on va dire, très bien les 3 premières étapes, bonne acclimatation par rapport aux conditions météo très dures, où j'ai géré les 3 premières étapes du mieux possible et très très bien par rapport à mon niveau. Et j'ai pu passer à travers, on va dire, les mailles de cette épidémie ou de ce virus lors de mes 3 premières étapes, et malheureusement j'ai été malade dans la nuit du mardi au mercredi, donc impossible de manger le mercredi matin, et donc j'ai pris la décision malheureusement d'abandonner et de quitter le bivouac avec beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse, et ça a été, on va dire, assez dur moralement pour ma part. Alors, qu'est-ce que je pourrais conseiller dans ce genre de cas? Malheureusement, il n'y a pas grand chose à conseiller, si ce n'est que s'hydrater au maximum, écouter son corps, mais malheureusement,
quand il y a un virus ou une épidémie sur le bivouac qui couche autant de monde que ça et qui rend malade autant de monde que ça, malgré, on va dire, la bienveillance et puis le professionnalisme des dog trotters, c'est relativement dur de passer à travers et tant mieux pour ceux qui ont réussi à passer à travers ce virus. Je vais aborder cette course si j'y retourne dans les mêmes, on va dire, perspectives que mes précédentes éditions, c'est-à-dire déjà finir la course. Comme je le dis et je le répète et je le re-répéterai et je ne cesserai, je pense, de le répéter, c'est rester vraiment humble par rapport, d'une part, à cette course et par rapport à ce désert. Je vais l'aborder du mieux possible en positivant au maximum. C'est une course qui me tient à cœur, ça c'est sûr et certain. J'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, je vais essayer d'y aborder avec mon esprit et mon âme de compétiteur, ça c'est sûr et certain. Parce que même s'il faut rester humble, j'ai, comme on peut dire, une revanche à prendre. Comme dit l'expression, il y a le couteau entre les dents et d'y faire, d'y représenter le mieux possible. Revanche en vue donc en 2022 pour Fred et surtout un maximum de plaisir au cœur du Sahara sud-marocain. Sandrine a aussi connu l'enfer des sables. Sandrine avait déjà couru une étape, c'était en 2019, en tant que journaliste et cette fois-ci, eh bien, elle tentait l'intégralité de l'épreuve. Alors, ce à quoi je m'attendais sur le marathon des sables. La chaleur élevée, la vie en communauté dans la tente, la nourriture lyophilisée, la distance à parcourir à chaque étape, et la gentillesse et la disponibilité, l'énergie de Patrick Bauer. Ce à quoi j'ai dû faire face, la chaleur très 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 élevée, mais aussi le décès d'un concurrent le deuxième jour qui remet beaucoup de choses en question, la gestion de l'eau, devoir porter plus lourd que prévu et aussi de devoir faire face à tous ces soucis intestinaux de déshydratation et de gérer au final aussi les vomissements de mes camarades tout autour de moi. Ce que je changerais si je dois faire une prochaine édition, mon entraînement. Il faut vraiment faire beaucoup d'entraînement à petite vitesse avec de la longue endurance. Venant du milieu de la marche athlétique, je crois que je me réentraînerai en marche. Je marche déjà vite, mais je ferai surtout des très longues distances et à toute petite vitesse avant le prochain marathon des sables. Ce que je changerais, ma brassière. La bretelle m'a gênée pendant tout le marathon des sables avec le poids du sac et ça a été une horreur au point de ramasser des morceaux de mousse dans le désert pour essayer de soulager la douleur. Ce que je changerais, je prendrais plus d'aliments plaisir, genre du saucisson ou alors du chocolat, mais surtout des trucs gras et salés. Et enfin, ce que je changerais, je prendrais avec moi mon traitement médical chronique pour éviter de devoir abandonner en milieu de l'épreuve. Ce que je ne changerais pas, la préparation de mes pieds. Pas une seule ampoule, rien, que dalle. La seule chose peut-être, je prendrais une pointure supplémentaire par rapport à mes chaussures de course qui sont habituellement du 41. Je pense que pour le marathon des sables, un 42 aurait été nécessaire. Ce que je ne changerai pas, mon matériel, le sac marathon des sables, mon duvet, mon matelas, ma nourriture lyophilisée et l'équipement que j'avais emporté. J'étais plutôt satisfaite de ce que j'avais pris. Ce que j'en retiens de cette session de 2021, c'est que c'est une extraordinaire aventure humaine. Le désert vous change, ça c'est sûr, et je pense qu'il vous change pour longtemps. Alors n'hésitez pas. Et oui, ça vaut le coup ce marathon des sables, même si c'est dur, c'est aussi pour ça qu'on y va. Allez, cette fois-ci, parole aux participants qui sont allés jusqu'au bout de l'aventure. Auriol, la star catalane du groupe Love of Lesbian, ouvre le bal. Hola, ¿qué tal? Soy Yuri, ¿cómo estáis? Os explico, me siento muy afortunado, soy muy afortunado. Soy una de las personas que consiguió acabar Maratón de Sables 2021 y eso me hace muy feliz. Porque yo no soy un profesional, soy una persona que me gusta practicar y salir a correr en bicicleta, hacer trekking y me planteé esta carrera como una experiencia vital con el único objetivo de llegar a la meta
de disfrutar, de conocer gente, de pasármelo bien, de conocer un territorio y hacerme con él, integrarme en él. Acabé bien, cómo no, pues con algún pie un poco destrozado, pero con el alma a tope, con las energías intactas, con una motivación extrema y muy contento, muy feliz de haber conocido a un grupo de personas que me llevo ya para siempre, de haber disfrutado de un territorio que no conocía, de haber también compartido una experiencia con personas que, con un grupo humano muy unido, que aun cada uno con sus rarezas, cada uno con sus diferencias, pero que además del objetivo individual, también se trabajaba el objetivo comunitario de ayudar, de motivar, de tener presente quién tienes al lado y de ayudarle en todo lo que fuera posible. Auriol a tout compris pour cette première participation ensemble vers l'objectif. Essayez de ne laisser personne sur le bord du chemin, ou plutôt de la piste. Patrice aussi participait pour la première fois et il a adoré. Bon bah c'était super, j'ai adoré. Pour le bivouac, alors le bivouac, excellent. La tente, je trouve ça génial. Parce qu'en plus c'est des gens que tu connais pas et à la finale t'as l'impression que tout le monde se connaît depuis des années. Et c'est hyper top parce que c'est chaleureux et là tu retrouves la chaleur humaine, c'est-à-dire le partage, l'entente, c'est excellent, 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 excellent. Le plus dur, peut-être les dunes du Merzouga. Non, ça allait encore. C'est toute la partie où c'est qui était rocailleuse, caillouteuse, parce que comme beaucoup ne le savent pas, moi je suis reconnu handicapé. Et j'ai subi plus de 14 opérations sur une jambe, dont la moitié de la rotule, il me reste. Et d'ailleurs, mon chirurgien, à qui je fais coucou, je serais pas content parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours des douleurs. Donc normalement, il doit me mettre une rotule en plastique. Mais bon, ça va attendre. Hein. J'ai encore d'autres projets à faire avant. Hein. Le meilleur moment, c'est cette ligne d'arrivée. Alors ça, franchement, c'est top. Même tous les matins, tous les matins avec Patrick Bauer sur le camion, c'est excellent, ça nous met à fond dedans avec le ACDC, ça c'est top, tu vois. Et si je compte revenir, alors, la grande question, oui, le MDS, j'y retournerai, ça c'est obligé, ça c'est, j'y ai goûté et franchement tous les jours j'y pense. Et j'ai toujours des images qui me reviennent, à voir ces dromadaires qui se promènent dans le désert, ces paysages, c'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Et ça fait plaisir d'entendre de tels retours. Allez, place désormais à Lilouane, alias Lara Croft ou Lagarta. Elle n'était pas inexpérimentée puisqu'elle participait cette année à son troisième MDS. Comme d'habitude, elle l'a géré en mode guerrière avec ses coéquipiers de l'équipe L'Être du Désert. Mais encore plus que d'habitude, elle est revenue de cette édition complètement changée. Un 35e marathon des sables qui était vraiment particulier. La chaleur, l'espèce de virus ou je ne sais quoi qui a traîné sur tout le bivouac et qui faisait que tout le monde se vidait toutes les nuits. Le départ de Pierre au soir de la fin, à la deuxième épreuve. Donc tout ça fait que ça a été vraiment particulier, humainement toujours aussi fort, encore plus cette année. Et je pense qu'on est tous revenus transformés. Ma vie change depuis, elle change à chaque fois, mais l'engagement humain et tout ce qu'on a pu vivre cette année, ça a été vraiment, ça laisse des traces. Et je pense qu'on a tous, on est tous revenus. Changé et presque choqué, je dirais. Je pense que pour beaucoup de monde, il a fallu se reprendre le temps de retrouver notre vie, réaliser tout ce qui s'était passé, qu'on est fini ou qu'on n'est pas fini. Et le départ de Pierre, qui a marqué tout le monde. Et justement, j'ai pris la décision d'honorer la mémoire de Pierre en ce premier Noël qui arrive maintenant dans 3 semaines. Et ça fait depuis pratiquement le retour du Marathon des Sables que je m'entraîne, comme j'habite en Suisse, pour faire le tour du lac Léman en courant, marchant peut-être, enfin le postulat c'est en courant, à partir du 24 décembre au soir. Donc la nuit de Noël, le 25,
Et je pense arriver le 26 au matin, avoir bouclé le 26 au matin, à peu près 180 km. Il y a un engouement extraordinaire autour de ça, beaucoup de gens du coin, mon meilleur ami, mon ami, et plein de gens du coin qui ont partagé sur les réseaux sociaux, sur des groupes de running ici, de trail, qui me proposent leur aide pour courir un peu, pour les ravitaux, voilà. Il y a une cagnotte Litchi, je vais remettre le lien sur le groupe du Marathon des Sables pour Isabelle et ses deux enfants, la famille que Pierre laisse cette année et qui passeront donc leur premier Noël sans lui. Voilà, le Marathon des Sables reste une grande famille, faut jamais qu'on l'oublie, et les familles, ben, ça se serre les coudes dans les mauvais moments et ça rit ensemble dans les bons moments. En tout cas, ça se retrouve toujours et j'espère être là en 2022, 2023 et toutes les années qui suivront. Et quand on connaît Lilouane, on n'est pas étonné de ce grand élan du cœur et de ce défi qu'elle s'est lancé. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur le groupe Facebook MDS Atome. Vous aurez toutes les infos au sujet de ce tour du lac Léman les 24, 25 et 26 décembre. Et en attendant, Cédric Lavagnac nous raconte à son tour son premier marathon des sables depuis son bureau. Je m'appelle Cédric Lavagnac, j'ai 46 ans, je suis chef d'entreprise, je suis marié, père de 3 enfants. J'habite en région parisienne et je fais du sport depuis tout jeune, où j'ai fait pas mal de compétitions dans mon enfance. Jamais en course à pied, plutôt dans d'autres activités sportives. Lors d'une soirée entre copains, où on était tous en train de se dire qu'on prenait de l'âge et qu'on était en train de s'empâter, on s'est dit on va se lancer un dernier grand défi, un dernier défi dont on se souviendra toute notre vie. On a cherché qu'est-ce qui pouvait être différent et un peu extraordinaire dans le projet, et on s'est dit pourquoi pas faire le Marathon des Sables. Et on s'est lancé dans cette aventure à trois, et on a emmené avec nous une association qui s'appelle les Bagouz à Manon. C'est une association qui vient en aide à la recherche pour tout ce qui concerne le cancer des enfants. Et ensemble, pendant 3 ans, à cause du Covid, on s'est battu, on s'est entraîné avec des moments de doute, des moments d'incertitude et des moments où la volonté était plus forte. Mais à trois, et pour cette association, on a voulu aller jusqu'au bout. En arrivant au Marathon des Sables, j'avais 2 objectifs. Finir pour l'association et à titre personnel, tout donner pour ne rien regretter. Mais j'aurais jamais imaginé que l'aventure puisse être aussi forte, aussi dure, mais aussi passionnante. Oui, cette année, la 35e édition du Marathon des Sables, tout le monde dit qu'elle restera gravée dans les annales. Elle a été dure, elle a été forte, mais c'est souvent dans des moments comme cela que naissent de grandes histoires. Et ça a été, en tout cas pour moi, une très grande histoire, une très belle histoire, à la fois humaine, de soutien entre coureurs, où on s'est battu ensemble pour aller jusqu'au bout. Une grande histoire à titre personnel, parce qu'on a envie, on a mal, mais on a envie d'arrêter. Et on doit aller puiser au plus profond de soi des ressources fortes pour pouvoir y arriver et ne jamais abandonner. Et aussi l'envie de finir pour cette association, pour pouvoir regarder en face tous ces enfants, tous ces gens qui luttent pour leur vie et leur santé et qui sont soutenus par les Bagouz à Manon. Pour ces 3 raisons, le Marathon des Sables, cette 35e édition, restera marquée à jamais dans ma tête comme certainement une des plus grandes aventures que j'aurais pu réaliser. Sacré témoignage, c'est fort, courir pour les autres et en plus avec des amis, c'est le Marathon des Sables. Le témoignage suivant nous vient de Miguel Angel Dominguez. Ceux qui suivent de très près les rallyes automobiles et notamment le fameux Dakar auront peut-être reconnu le kiné de Carlos Sainz, un habitué du baroud désertique, mais un néophyte sur le Marathon des Sables. Carrera muy, muy dura, parece ser casi una de las más duras de las 35 ediciones, o por lo menos las cifras lo dicen, ya que
se han retirado el 49%, cosa que no había pasado nunca. Pero bueno, no creo que haya de comparar. En mi caso, como era la primera edición que participaba y que participo, pues no tenía ninguna referencia, con lo cual no sabía lo dura que podía ser. Desde luego ha sido más dura de lo que me podía imaginar. Por mucho que he entrenado, no me podía esperar cómo iba a ser todo. Por mucho que he hablado con gente que ha participado, no me podía imaginar lo que me iba a encontrar. Con lo cual ha sido toda una sorpresa muy dura porque creo que ha sido muy, muy dura en cuanto a el tiempo que ha hecho, el calor. Bueno, es una carrera que tienes que digamos, luchar todo el día y todo el tiempo contra ti mismo. Creo que pasas unas fases. La primera fase ha sido euforia antes de empezar. Después del primer día, con todo lo duro que fue, la deshidratación, todo lo que nos ha sucedido, pues fue un bajón de yo personalmente pensaba que no iba a poder acabar la carrera, pero bueno, era supervivencia pura y dura. Pero realmente es una carrera que una vez pasado y viendo vídeos, pues la has disfrutado, has visto unas imágenes increíbles que se te quedarán para toda la vida. Y bueno, yo creo que he aprendido y que bueno, que te queda la sensación de que quiero repetirla. Y bueno, pues todo lo que hemos hecho un máster en una semana creo que lo podré aplicar en una siguiente edición, aunque creo que será una nueva edición y no sabrás lo que te encontrarás, ni lo que va a suceder, ni el tiempo que hará. Pero bueno, solo puedo dar gracias, lo he disfrutado, hemos hecho amigos, hemos compartido unas experiencias brutales. Realmente ahí comprendes qué es el compañerismo, comprendes a compartir, a ayudarte, y me quedo con eso, con que es una carrera espectacular y con ganas de repetirla. Finisher ou pas, c'est bien ce qui ressort de tous les témoignages. Il faudra y revenir un jour, la refaire, mieux ou différemment, mais regoûter de nouveau au Sahara, au dépouillement, à la difficulté et à l'entraide. Lui, il y goûtait pour la cinquième fois, mais en mode ultra rapido. Meryl Robert est de nouveau monté sur le podium cette année avec une très jolie troisième place. Il nous donne quelques conseils et revient sur sa stratégie de course. Alors, comment je me suis adapté à la chaleur? Alors, effectivement, c'est un paramètre important à gérer sur le marathon des sables, et particulièrement cette année où on a eu des grosses chaleurs. Alors moi, excepté sur l'étape longue, où j'ai souffert de la chaleur quand même, comme tout le monde, la plupart des étapes, j'arrive avant 13h, donc je cours surtout le matin, et donc je ne suis pas sur la piste au moment les plus chauds de la journée. Voilà. Après, moi, je m'entraîne toute l'année aux périodes les plus chaudes de la journée. Je cours généralement entre midi et deux, hiver comme été. Et cette année, en plus, le marathon des sables est au mois d'octobre. Donc, la grosse charge d'entraînement se trouvait sur la période août-septembre. Et voilà, donc mes sorties longues, moi, c'était 14h-17h le week-end, entre midi et deux. Et ça, voilà, ça permet à l'organisme de s'adapter à ces fortes chaleurs. Après, l'élément important en course, c'est surtout d'être rigoureux sur l'hydratation et la prise de sel pour éviter les coups de chaud. Donc, concernant ma gestion de course, moi, je m'étais fixé des objectifs raisonnables cette année. Je visais surtout le classement dans ma catégorie d'âge, surtout quand j'ai vu les athlètes qu'on avait au départ. Voilà, je pensais que ça allait être quand même compliqué. Et puis après, ben voilà, sur les étapes, moi j'essaie d'être régulier dans ma vitesse. Et au final, à la fin de la semaine, voilà, ça arrive à donner quelque chose de pas mal. Et puis j'ai eu la chance surtout de passer à côté du virus. D'autres coureurs n'ont pas eu cette chance-là. Et voilà, donc notamment Mathieu Blanchard, qui participait pour la première fois au Marathon des Sables. Alors on s'est eu au téléphone avant le marathon. On a une connaissance commune dans la personne de Zinzin Reporter. Alors on n'a pas pu s'entraîner ensemble, mais j'ai pu quand même lui donner quelques conseils, lui faire profiter au maximum que je pouvais de mon expérience. Je pense que ça lui a servi, j'espère que ça lui a servi. En tout cas, je pense qu'il reviendra parce que il a réellement les capacités de rivaliser avec les concurrents marocains. Alors, un moment que j'ai apprécié sur le marathon des sables, donc il y en a plein.
sur le bivouac, en course, avec les autres concurrents, avec le staff. On vit plein de bons moments. Alors cette année, c'était particulier parce qu'on a quand même eu un événement tragique sur la course. On a eu beaucoup d'abandons liés à la chaleur, liés au virus qui a circulé sur le bivouac. Enfin, moi, personnellement, il y a un moment que j'apprécie particulièrement et on a la chance d'y passer quasiment à chaque édition, c'est les dunes de Merzouga. Voilà, c'est un cordon de dunes qui fait une dizaine de kilomètres. Et quand j'arrive dans ce paysage-là, c'est un dépaysement total. C'est vraiment l'image que je me fais du désert et j'essaie d'arriver à chaque fois dans cette zone un peu à l'avant de la course, de manière à avoir un paysage voilà, vierge de toute trace humaine. Bon après c'est pas forcément une bonne stratégie vis-à-vis des Marocains hein, qui sont à l'affût derrière, mais bon voilà, je suis là aussi pour profiter des paysages et profiter pleinement du marathon. Et ça fait plaisir de voir que même en tête de course, les coureurs prennent le temps de profiter. Autre chose qui fait très plaisir, courir pour une cause, on l'a vu hein, tout à l'heure avec Lilouane. Et voici Jean-François et son équipe, les Lions du Désert. Pour l'équipe des Lions du Désert, notre priorité était de faire passer la ligne d'arrivée à Fabien Aussourd, notre athlète malvoyant. Dans le cadre de l'inclusion, notre projet a une visée aussi scientifique, étant donné qu'on courait avec des capteurs sur nos chaussures. Ces capteurs serviront à élaborer et surtout récolter des données pour pouvoir faire des recherches sur le mouvement humain et rentrer aussi peut-être sur des études précliniques pour les gens qui développent la maladie de Parkinson. Ces capteurs permettent également d'enregistrer les marqueurs de fatigue chez les coureurs à pied et nous avons pu donc les tester lors de l'épreuve du Marathon des Sables. La course s'est plutôt bien déroulée pour nous. Malgré la chaleur et quelques ennuis gastriques, nous avons terminé troisième par équipe sur le podium et nous en sommes très heureux. Le bilan humain de cette aventure, c'est que nous avons construit une équipe multiculturelle inclusive depuis plus de 2 ans avec notre parrain, Lassen Ahansal, que tout le monde connaît, et surtout... J'ai emmené mon équipe dans des univers incroyables comme la musique. Je les ai sortis de leur zone de confort en tant que coureurs, mais surtout en tant qu'acteurs. Et ça, c'était bien pour eux, pour la préparation mentale du Marathon des Sables. Pour la suite, le projet continue avec la production d'un film documentaire. Et nous allons donc préparer la production musicale avec des personnes déficientes visuelles. Donc nous continuons l'inclusion dans le cadre audiovisuel et en attendant donc de développer d'autres projets sportifs et surtout de trouver d'autres partenaires. Ce sont vraiment de très beaux projets. Alors si vous voulez les soutenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans les projets originaux, vous vous souvenez sans doute de Laurie Explorer, Alain Cailleux et Nicolas Duplat. Tous trois ont tenté le 35e Marathon des Sables de manière plutôt spéciale. Et si ça s'est plutôt mal passé pour Laurie, qui tentait la traversée du désert pieds nus, Alain en tongs et Nicolas en espadrille s'en sont bien tirés. Alain toujours en tongs, dans un environnement un petit peu différent, revient sur sa belle aventure. Bonjour à tous, je suis Alain Cailleux, j'ai réussi à faire le Marathon des Sables 2021 en tongs et pieds nus. Voilà, alors je vais vous livrer un peu les principales difficultés des tongs. Alors, en un, c'est la chaleur, c'est-à-dire que réellement, il fait toujours très très chaud et même le sol, le sable brûle, d'accord. Mais à côté de ça, bah écoutez, l'étape de 80 km, j'ai réussi à la passer. Je me suis même offert des moments dans les dunes, pieds nus, au coucher du soleil, qui était assez magique. Donc vraiment, c'est une pratique différente, mais qui m'a donné beaucoup de plaisir. Voilà. Les rencontres du Marathon des Sables, c'est quelque chose de magique. Alors en un, vous allez rencontrer les personnes de votre tente, de votre bivouac. On est 8 par tente. À chaque fois, vous trouverez des personnes exceptionnelles, différentes, venant de tous horizons, plutôt de votre pays. Alors ça, c'était la France dans mon cas. Mais vous rencontrerez aussi sur le bivouac des étrangers passionnants, avec des parcours de vie extrêmement intéressants. Les personnels de l'organisation sont tous adorables. Ce sera des très très belles rencontres. Et puis les locaux, quelques rencontres avec des enfants marocains. Les locaux qui aident aussi sur le montage, les montages du camp, sur la logistique. Tous ces gens-là sont des rencontres qui resteront toute ma vie dans mon cœur. Voilà. Allez. Allez, si vous n'êtes pas très roots et que vous avez peur un petit peu de l'organisation du Marathon des Sables, écoutez, c'est sommaire. Oui, l'hygiène est sommaire, la vie
et sommaire, mais vous ne manquerez de rien réellement. C'est-à-dire que vous aurez toujours à manger entre les jours avant la course et après la course. Vous aurez des toilettes rudimentaires mais fonctionnelles. Et puis vous aurez un petit peu d'eau tous les jours pour faire une toilette minimale afin d'être à peu près présentable. Voilà, mais c'est effectivement une vraie aventure. Mais la partie un peu sommaire de l'hygiène et de la vie en bivouac ne devrait pas vous poser de problème. Sincèrement, ça se passe très très bien et au bout de un ou deux jours, on s'y fait. Voilà, c'est un mode de vie plus simple, mais on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand chose pour être heureux. Voilà, allez, tout ça depuis le Népal. Là, je suis encore à 3300 mètres d'altitude. Bonne journée à tous. Allez. Le Népal à 3300 mètres d'altitude, c'est sûr hein, que ça change du sud Maroc. De son côté, Nicolas se contente de nous parler de chez lui, mais c'est pas mal non plus. Bonjour à tous, petit bilan donc de ce marathon des sables pour la 35e édition. J'ai fait le pari un peu fou donc de participer avec mes espadrilles basques faites à Mauléon. Donc voilà, j'ai pris le pari fou donc de courir avec une paire où j'étais pas trop sûr de la pointure, j'avais peur que les pieds gonflent, j'avais peur de perdre des ongles, j'avais peur d'embêter les podologues. Et en fait, j'ai été voir juste deux fois les podologues pour trois petites ampoules. Donc je suis quand même bien content, les pieds ont tenu, les espadrilles ont tenu. Donc si vous pouvez voir, j'ai tout fait avec la même paire. J'avais pris une deuxième paire de secours dans le sac, donc c'était aussi un peu osé, 700 grammes en plus dans le sac, mais bon, je voulais pas prendre de risque. La paire qui est rentrée à la maison toute propre. Celle-là, en tout cas, elle aurait pu continuer un peu plus. Alors j'espère qu'elle va finir au musée de l'espadrille. Mais le fait de courir en espadrille avec ma belle tenue basque m'a permis donc de rencontrer des gens qui ont des origines basques, qui ont été en vacances chez nous, ou d'autres qui veulent venir participer à mes championnats du monde de course en espadrille le 15 août à Mauléon. Donc je vous invite tous à venir faire ma course. Voilà, c'était quand même assez sympa, ça a permis voilà, de s'ouvrir aux autres, d'échanger, de rigoler, parce qu'on était là aussi pour s'amuser et pas que pour souffrir. Hein. Il a fait chaud, très chaud. Les passages qui m'ont marqué le plus, ben, c'est les dunes de Merzouga. C'était tellement magnifique, mais tellement dur, avec cette chaleur étouffante, il y avait un peu d'air. Et ça, ces espadrilles finalement, dans le sable, elles étaient souples, elles étaient légères. J'étais bien, je prenais la trace des autres et vu que les chaussettes étaient cousues, j'ai pas eu de sable qui est rentré, donc ça a fait un peu guêtre. Et là, je travaille donc sur l'élaboration d'une confection d'espadrilles à plaque de carbone. Donc je vous en dirai plus très vite. Ça sera, je pense, l'avenir de la course minimaliste. Donc les prochaines paires à plaque de carbone en vente uniquement à Mauléon le 15 août prochain. Allez, bon hiver, hein, on était bien là-bas, il faisait chaud. Maintenant, il faut se couvrir avec la jolie veste. Et à bientôt. Ah, cet accent, ça donne envie d'aller courir du côté de Mauléon. Allez, pour terminer en beauté ce 10e épisode, je vous propose de nous quitter en musique avec le magnifique clip des Lions du Désert. Vous y verrez un autre volet du projet inclusif de Jean-François Vigas et de ses amis avec des non-voyants qui se mettent en scène dans le cadre d'un clip musical. C'est beau, ça sonne juste et c'est plein d'espoir. En clair, ça résume bien le Marathon des Sables. Sur ce, je vous dis ciao, les ensablés. De cette aventure, c'est l'art de se dévoiler. L'image d'un rêve étoilé, transformé en réalité. Éclaire cette vie solaire, lunaire, crépusculaire.
allume sur eux la lumière, éclaire ce regard visionnaire, illumine cet halo entrouvert, réverbère, légendaire, ordinaire. Nous le monde des voyants, vous le monde des savants, créez des miracles luminants, jouez prodige, c'est le moment. Nous les hommes de la vision, à la vue d'or vers l'horizon, nous les lions de la passion, servons la sensation et l'émotion. À force de se voir, on se voyait plus. À tant vouloir y croire, on n'y croyait plus. Et ne me laisse pas, si tu n'es pas sûr. Loin, loin de toi, tu me dis tout bas. Cette petite aventure va tourner en déconfiture. Éclaire-moi. Voyager dans la joie et la foi. À force de se voir.